Bonjour, soyez les bienvenus. Nous sommes à la 8e journée de notre neuvaine sur Dina Bélanger aujourd'hui. Je suis Pénélope Natacha Pema Mavungu, écrivaine, chercheure et philosophe. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance. La confiance, qu'est-ce que c'est? La confiance, comment Dina vit avec la confiance, comment fait-elle confiance, hein? Et nous, quel est notre rapport à la confiance, hein? La première personne à qui je pense en parlant de confiance aujourd'hui, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Thérèse de l'Enfant Jésus dit ceci: c'est la confiance, rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Quand je contemple la vie de Dina Bélanger, je vois une fille, une jeune fille, pardon, une femme, une religieuse qui incarne une manière d'être avec une confiance profonde en elle-même. Faire des choix majeurs dans sa vie et les assumer dans un siècle complexe nécessite une grande confiance en soi, permettant de tisser des liens avec sa famille, ses camarades, ses consoeurs et surtout avec Dieu. Cela implique aussi de croire en autrui, de faire confiance en autrui et d'accepter le risque de la dépendance. Faire confiance, c'est aussi accepter le risque de la dépendance. Et dans le cas de Dina, Dina n'accepte pas seulement le risque de la dépendance envers Dieu dans sa relation de confiance, mais Dina entre dans la dépendance envers Dieu. La confiance de Dina implique de se remettre totalement entre les mains de Dieu et de ne pas craindre d'avancer sous son regard. Cultiver la confiance est un processus continuel, est un processus quotidien, un abandon total à Dieu. Être confiant, c'est se savoir aimer par-dessus tout. Être certain de ne jamais être abandonné, même dans les épreuves. C'est aussi accepter de se laisser guider par l'esprit, tel un enfant. Cette confiance, telle que nous la présente Dina, nécessite une authentique dépossession de soi. Je parlais tout à l'heure de la dépendance envers Dieu. Et à travers l'idée de le mot dépendance et dépossession de soi, vous voyez que il y a comme une imbrication là. Donc, pour pouvoir dépendre de Dieu, il faut pouvoir se déposséder de soi, pratiquer un lâcher-prise sincère. Et aujourd'hui, c'est juste une parenthèse, mais je pense que c'est nécessaire, hein, avec les nouvelles théories du développement personnel, hein, où on met en avant la confiance en soi, où on met en avant le lâcher-prise. Hein. Il ne faut pas perdre de vue que la confiance en soi n'est possible que si le mouvement extérieur se réalise, c'est-à-dire avoir confiance aux autres. On ne peut pas s'enfermer dans la confiance en soi si on ne peut pas faire confiance en quelque chose d'autre que soi. Et dans le cas de Dina, on va le voir avec ses consoeurs, mais surtout avec Dieu. Donc, dans la confiance, il s'agit aussi de renoncer à l'illusion de la toute-puissance. Et là aussi, on revient encore à la confiance comme dépendance envers Dieu. Il s'agit aussi de renoncer à la croyance que nous pouvons tout accomplir par nos propres moyens, y compris sur le plan spirituel. Donc, si on nous dit que j'ai confiance en moi, j'ai développé l'estime de moi et que je vais tout réaliser,
L'humilité consiste à dire que la confiance en moi ne me permet pas de tout réaliser tant que je n'ai pas confiance en l'autre ou en Dieu. Il s'agit dans la confiance, telle que nous la présente Dina, de se confier entièrement à Dieu, de permettre à son esprit de nous façonner, de nous guider vers des lieux et des situations auxquels nous n'aurions jamais pensé. C'est pourquoi, quand on parle de confiance envers Dieu, nous avons besoin d'une confiance profonde qui peut devenir inébranlable avec le secours de la grâce. Aujourd'hui, comme on le disait, on ne peut pas parler de Dina sans voir son impact dans le monde d'aujourd'hui. Dina nous présente sa façon de faire confiance, hein, qui se lie à une dépossession de soi ou à une dépendance envers Dieu. Mais la question que nous avons que nous essayons de nous poser, est-ce que dans toutes les tribulations que connaît notre monde aujourd'hui, nous sommes capables de faire confiance en Dieu? Et si l'on redescend à un niveau plus humain, pouvons-nous faire confiance à l'autre même lorsqu'il nous a trahis? En sommes-nous capables? Nous allons lire un texte de Dina sur la confiance. Ce texte est tiré de son manuscrit autobiographique. Ma confiance et mon abandon croissaient selon la profondeur des ténèbres. Quelle grâce insigne m'accordait le bon maître. Ma paix augmentait. Je ne vivais pas de la paix et de l'abandon goûté par le cœur qui éprouve de la jouissance. Non. Mais de cette confiance assurée de l'amour. De cette confiance tenace de la volonté qui croit et espère en la bonté infinie de Dieu. Je me perdais davantage en mon seul bien. J'essayais de m'anéantir toujours plus. À certaines heures, je me cramponnais à l'ancre de la confiance et je me sentais comme suspendu au-dessus de l'abîme du découragement. Par l'aveugle abandon, je me rivais plus fortement à mon Dieu. Prions. Dieu, tu aimes tes enfants et tu es constamment présent à leur côté à travers toutes les épreuves de ce monde. Ô Jésus, je t'en supplie. Continue de m'accorder ce précieux don et au moment où mon âme s'envolera à jamais vers toi, elle pourra s'abîmer de confiance en ta miséricorde malgré la multitude de ses misères. Amen. Père très bon, tu as mis dans le cœur de la bienheureuse Dina Bélanger le désir brûlant de t'offrir pour le monde entier les richesses infinies du cœur de Jésus dans l'Eucharistie et de vivre comme Marie, intimement unie au Christ, son unique amour. Puissions-nous, comme elle, trouver notre joie à accomplir fidèlement ce que tu aimes. Et puisque tu lui as révélé ton grand désir de répandre sur le monde l'abondance de tes grâces, exauce pour ta plus grande gloire la prière que nous confions à son intercession. Amen. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit à jamais Jésus et Marie.